涙よりも優しい歌を悲しみよりそのぬくもりを
petite interview avec Jackie et Pierre le traducteur. Bon, on le voit pas, mais il fait coucou. Voilà. Donc, je vais commencer par la première question. Pour Jackie, quelle est la plus belle statue de chez Ostiakos et déjà en préco, et quelle est sa préférée à sortir cette année ? 对, 对你来说，你最喜欢、你觉得最漂亮的、已经发售和还没有发售的手办是哪个？目前发售的来说是米罗，米罗。Pour l'instant, celle qui préfère c'est Milo. 然后还没有发售的。还没有发售的应该是 Saga。Les frères jumeaux Saga, Saga et Canon。Saga et Canon. À quand le prochain totem ? Ça que totem, ça marche au facho. C'est ma. Ça que totem, ça marche au facho. Oh, 大概是在八月份. Le prochain totem est attendu en août. Est-ce qu'il prévoit de continuer la licence Bleach ?关于 Bleach 的系列，你们打算产生新的手办吗？什么时候发售？这样。关于 Bleach， 我们下一个会是一个队长，还有一个是十任中间的一个，发售现在还未定，还没有定。Alors, il y aura de nouvelles figurines de la série Bleach, en effet, dont un capitaine, un des 10 arancards, et puis encore une autre dont on ne sait pas encore laquelle va être.Dans le cas où une partie de la figurine serait cassée, y aura-t-il possibilité d'acheter ces parties spécifiques, mais en payant à la fois les frais de fabrication et d'expédition ?如果手办的一部分坏了，那怎么样？对于海外客户来说，售后的话是他们收到货一个月之内，所有的配件损坏都是工作室我们免费提供的，然后超过一个月，客户需要付费去维修。去补这些配件。Donc pendant les un mois après la réception, pendant les un mois après la, on va y arriver. C'est normal les gars. Ça va. donc pendant les un mois après la réception de la statue, le remplacement d'une pièce est gratuit. Par contre, passé ce mois-ci.La totalité des frais devront être payés par le client parce que les frais de la création d'une pièce après la production est trop élevé. Zodiakos envisage-t-il à terme de faire l'arc Asgard ? Zodiakos Studio, t'as soit un changement arc Asgard de chez Obama?明年我尝试去申请一下。Jackie vous demande de redemander l'année prochaine. À l'avenir, pourrions-nous avoir des réalisations de personnages plus exclusifs, du style Shayna, Albior, Seigneur Crystal. 你们将来可不可以产生不太出名的手办吗？应该这个应该不会，因为这个版权费太贵了，而且做出来没多少人买的话，我们会亏本。Donc non, nous ne prévoyons pas de produire des figurines de ce type, puisque les frais de droits d'auteur sont trop élevés comparés à la faible quantité de figurines potentiellement vendues, et ça mettrait en péril la survie de l'entreprise. Diorama prévu comme les Gold Clot, y en aura-t-il d'autres ?你们已经打算发售一个新的 diorama 吗？比如对这个。神星之后，神星死之后，我们会发售一个神雅典娜，然后雅典娜，然后完了以后会出售一个发售一个神子龙。Donc après Seiya nous, pardon, après Seiya nous sortirons Athéna, puis Dragon Violet.Dragon violet, c'est ça que t'as dit ? Ou vert ? T'es sûr que c'est pas vert ? Oui, il m'a dit violet. Bon, mais c'est pas grave. Est-il possible que des prises aient... Enfin, attends, je reprends.
Est-il possible d'utiliser que des prises et pas des piles comme pour Adémantis ? Alors non, ce moyen il est trop compliqué en raison de coûts trop élevés. Par contre, ils sont en train de travailler sur l'utilisation de lampes à induction et ils voudraient convertir toutes les statues sur ce mode de fonctionnement. On va finir parce que c'est la fin. Et je voulais juste savoir ce qu'ils pensaient de Statue Arte Manga et s'il a une petite exclue à nous lâcher. 他的商店怎么样？你可以说你看法吗？然后你有没有一个怎么说一个新的事情可以和他们说吗？比如系列新的系列这样。他的商店非常好，然后我很感谢这次展会他能大力帮忙。然后关于新的IP的话，我们现在正在拿，然后我们会回去以后会公布。 Alors en ce qui concerne Art et Manga, il est très reconnaissant et il te remercie pour l'aide que tu lui apportes. Et puis pour ce qui est des nouvelles choses, des exclusivités, il vous en reparlera quand il rentrera en Chine après la Japan Expo. Ok, d'accord. Ok. Bon, merci. Et puis on se retrouve plus tard sur les réseaux. Ciao! Je fais la petite vidéo avec Pierre Marais, je vous montre le Seiya et je dis plus de bêtises. Yes. Je vous montre son travail. Hop, je sais pas, attends, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Les engravures, c'est très précis à faire, tu vois. Essayez de reproduire chez vous et après postez sur le groupe. Tout est dans le geste déjà. Faut nous montrer votre talent. Tu vois, dès que tu graves, ça fait des petites merdes et du coup tu passes du temps à chaque fois à les ramasser. À ramasser ça, ouais. Tu vois. Alors que c'est quand t'es sur l'ordinateur, c'est tellement simple. Là, tu as tous les petits trucs là. Tac tac. Et du coup tu rebouches le trou, alors tu repasses, donc tu passes 1000 fois à refaire la gravure jusqu'à obtenir la. Ouais, vous croyez que c'est facile, les gars. Vous croyez que c'est facile. 3 semaines que je suis sur ce cadre. C'est du taf. Vous avez sa page Instagram. Hop, scannez le QR code. Le QR code. Allez, sur ce, je vous dis salut, j'espère que la vidéo vous plaira. Je découvre le stand de cette année, j'imagine que du coup c'est votre première Japan Expo et ça fait extrêmement plaisir parce que vous êtes un studio qui vraiment donne de l'amour aux figurines Senseiya et il y en a très peu qui le font. Moi je suis une grande fan depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite, c'est un de mes premiers animés et je suis trop contente d'avoir ce genre de figurines et peut-être que je craquerai, hein, c'est possible. Déjà super boulot, les figurines au top, vraiment un travail très qualitatif. Et puis on se replonge dans l'ambiance Senseiya hein, au maximum. Hein. Donc moi ma petite référence ça va à Seiya. Et puis celle-ci qui est exceptionnelle. Hein. Là le travail sur la résine translucide, magnifique. Donc voilà, bonne chance à tous pour ceux qui participent au concours. Et puis bon, j'espère que j'aurai ma petite chance aussi. Merci. Merci à vous. Je suis désolé, je peux la garder aussi si tu veux. Plus beau, je peux la faire là. Non, il n'y a pas les Nikiwa. Nikiwa, il y a aussi.
Il a travaillé en fait. Il a travaillé sur toute l'animation de l'anime. C'est quand même incroyable. C'est un cadeau qu'il fait pour le PDG de Zodiacos. Après à leur stand, mais je crois qu'ils ont plus le droit d'en faire. Après, ils ont un stand de dédicace. Ils ont un stand de dédicace, mais là, ils font pas de dessin pour personne. Moi, je sais quand je vais créer mon manga, je vais venir ici. Bah, je vous le souhaite. J'ai déjà commencé à réfléchir sur le. Thank you.